Le monde va mal, cataclysme, dépression. Qu'est-ce qui nous reste pour aller mieux? Les happy hours. Mais est-ce que les happy hours nous rendent vraiment heureux et heureuses? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Un reportage de Moufi et Fanny Cantat. À vous les studios. Salut les bouffettes, comment ça va? Bah ouais, ça va, hein. Le titre de la vidéo indique un peu ce qui va se passer. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous présenter mon acolyte, Fanny Cantat. Hi guys, how you doing? Moi, j'ai un peu stressé d'être là ce soir avec vous. J'espère que je vais être bien entourée et accueillie. Oh bah ça, tu sens que tu mets les pieds quand même. Je vais pas vous mentir, moi sobre, j'ai confiance. Moi bourré, L'important, c'est d'être heureux. Et du coup, on s'est dit que pour le besoin de la science et de la santé mentale, au nom de la vérité, on allait tester les happy hours parisiennes. Et comme le dit si bien ma collègue Maëlle, c'est une étude de terrain, mais aussi une étude de terrasse. Pour cette étude de terrasse, nous allons déguster et noter 6 boissons différentes. À cela, nous ajouterons une note à notre humeur à la fin de la dégustation pour obtenir une moyenne et savoir si oui ou non, l'happy hour rend heureux. Santé ! Je suis quand même extrêmement contente d'être là et de partir sur cette aventure de vie en ta présence. J'ai les cheveux propres. Ah ouais, alors par contre, ouais, un petit point en moins, ma grand-mère elle est morte avant-hier. Revenons à nos bouchons! Du coup, on commence la soirée avec un Ricard. Ah, moi, ce que je trouve que j'apprécie chez les Ricards, c'est qu'on est bien des professionnels. Hein. C'est que tu sens pas trop la top. Oui, quand il est bien dosé là, et celui-ci est très bien dosé. Il y a un chien extrêmement mignon. Donc, ce Ricard, moi sur 10, ouais, je lui donne honnêtement un bon 8. Ouais, je me fais ça un petit 7,5. Donc, ça fait qu'on part sur un 7. On part sur un 7. À nous deux. La couleur, moi je trouve la couleur magnifique. Moi je slay. La forme du verre, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est pas... Plutôt là, j'ai envie de te mettre un 1 en fait, c'est un verre en plastique. Le prix, il était combien? 4,50? Ah, c'est ça, mais... Pour un Ricard, un peu cher. Un peu cher. Je veux dire, on n'est pas des professionnels, les gens attendent pas à la fin un espèce de papier qui va être publié dans le journal des alcooliques. Bien, la moyenne s'affiche juste ici. Là. Bravo. Nope. Rien goût de vomi. J'ai dire de pipi. Non, tu sais quoi, le vrai arrière goût que c'est arrière goût de poussière. J'avais une question. Oui. D'où vient happy hour? The term happy hour actually derived from American naval slang in the 1920s after the First World War. Happy hour was actually a period of time of naval ships where sailors could engage in relaxing activities in order to relieve themselves from the drudgery of life at sea. Est-ce que tu penses qu'au Canada, ils disent les heures joyeuses? Bien sûr. C'est sûr. Je vais appeler ma pote canadienne. Ça fait un peu comme dans les Kardashians. Ce sont les amis quand on en a besoin. Est-ce que j'appelle son mec? Non mais t'es trop déterminé. Apparemment j'ai pris son numéro quand j'étais ivre parce que j'ai marqué c'est bas de pire. Personne décroche. Sorry, on est au resto. Ah, avec ses beaux-parents. Je suis désolée, j'avais oublié que t'étais avec les beaux-parents. Oui, je suis au resto, je suis sous la stressée, il y a un truc, en plus je réponds jamais. Oh non, c'est... en plus c'est pour un truc nul. Un truc nul. Je suis désolée, alors je voulais savoir si au Québec, pour dire happy hour, on disait les heures heureuses. Mais on dit pas happy hour, ça existe pas, on dit 5 à 7. Je suis au dessert. Très bien. Après, je comprends pourquoi mes amis décrochent pas quand je les appelle. Revenons à nos bouchons. Elle est dégueulasse. Pardon, excuse-moi. Bah, du coup, j'allais parler du goût. Moi, je mets un 5 parce que je trouve que c'est vraiment. Ouais, mais ça se voit. Ça se voit. Couleur. Bah, c'est de la pisse, hein. La forme du verre. Là, c'est des peintes françaises. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la peinte qu'on a volée en fin de soirée, qu'on a ramenée chez soi. Tu vois, c'est un peu comme la chaise d'IKEA. Avec... Oui. Ouais. La fameuse chaise PU. Sans happy hour, elle est à combien? 7.
Je crois qu'elle est à 7. Je suis d'accord de boire de la merde, mais par contre, que ça vaille le prix que ça vaille. Pour l'instant, je me trouve assez juste. Hein. Je trouve que mon système de notation est pas mal. Bravo, l'ami. Non. Ça commence à... I'm on a rock top, baby, I was born this way. Le goût. Le goût, ben je pense que tu peux le savoir à la papille. Ce n'est pas du... La couleur, alors là, c'est de l'eau en fait. C'est joli. La forme du verre, ça fait peur le 10. C'est jamais. Un peu genre le paradis, tu vois. Mmh. Moi, 10, c'est Henri Cavill qui tient mon verre. 50. Pour un cocktail de cette allure, franchement, moi j'ai mis un 8. 32 divisé par 4, 8 fois 4, 32. Je crois que c'est ici. Non. 8 fois 4, 32. Non. Mais oui, c'est ça. J'ai pas passé mon bac de maths. C'est clairement ça. 8 et 8, 16. 16 et 16, 32. C'est vrai. Tu m'as gaspillé. Attends, de ouf. Attends. Tu m'as tellement gaspillé. Attends. C'est rigolo cette soirée, non? Non, pas tant que ça. Premier Jaeger Bomb de Nico, c'est donc du Red Bull avec un shot de Jaeger Master à l'intérieur. C'est vraiment ce que boivent les préadolescents entre 18 et 23 ans en général. Oui, c'est la fameuse période de la préadolescence entre 18 et 23 ans en général. C'est tellement sucré. On dirait un peu un médicament. Ouais. Moi, je la trouve charmante, la couleur. Moi, j'allais dire, ça ressemble au premier pipi du matin. Le vert, j'en parle même pas. Il faut qu'on vous avoue un truc. Ouais, pardon, sorry. La bill hour est terminée. Ouais, bah oui. C'était 10 euros. Ça reste trop cher pour ce que c'est. On est sur une moyenne de 4. C'est pas beaucoup. Je sais pas si on va s'arrêter maintenant ou continuer. Moi, j'ai encore plein d'idées sur ce qu'on pourrait voir. On a bu. Oui. C'est sucré, mais on sent l'alcool par contre. Ouf, dans le fond là. J'ai un peu la gerbouille. Une explosion de saveur. Limoncello. Goût, franchement, moi j'ai bien aimé parce que c'était équilibré. 8-7. Un 8-7. 7. Couleur magnifique. Magnifique. On a ensuite la forme. Forme. À partir du moment où j'ai pas envie de le voler, ça veut dire que... On est dans la moyenne. Alors j'ai payé 25 pour les 4. Donc, ah ouais. Ça fait... C'est cher. 25 pour les 4. C'est plus de 5 euros le shot. Maintenant ça fait 5 euros. 4 fois 5, 25. Not again. Not again. Maintenant 4 fois 5, 20. Maintenant, 25. Maintenant, 5 fois 5. Bah oui, 5 fois 5, 25. Donc c'est 5 euros le shot. La question reste, qu'est-ce qu'on va boire après? Fragile. Ça, c'est nous demain. Cette vidéo commence à être longue, mais pas aussi longue que notre colon. Excusez-moi. Le goût, on a dit 7. On n'a rien dit, mais moi, ça me va très bien, 7. Bah, moi, j'ai dit 6 et toi, t'as dit 7. T'as pas dit. On n'a pas parlé. Je suis d'accord avec toi parce que je buvrais, je boirais. Ouais, bon, on n'est pas en happy hour, hein. Finalement, le concept de cette vidéo n'est que vacuité. Oui. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que c'était gratos. Et là, du coup, bah, c'est 10. Hein. Ah bah, c'est clairement 10. 29 divisé par 4. 9. Actuellement, j'ai envie de manger des pâtes. C'est l'heure de la conclusion. Est-ce un peu la conclusion? Est-ce un peu la conclusion? La manière n'est pas la conclusion. La... On a fait une moyenne globale de toutes les boissons que l'on a bu, plus comment nous nous sentons actuellement, la moyenne finale est de 5,92 sur 10. Ce qui nous fait un pourcentage de 59,2%. La réponse, oui. La question, hein, est-ce que refaire. La... Oui. La, est-ce la que la happy hour rend-il heureux? Tu fais pas d'efforts. Mais tu parles pas français. Ouais. Rend-elle. Rend-il. C'est féminin. La le happy hour. Ah, c'est une hour. Une okay. Heure. Une happy hour. Non, vas-y, on fait un photo ensemble. Non, merci. Si tu veux. Ouais.
Bien sûr. Et voilà. Non, bonne soirée. Non, on a pas pris une photo. Si, si, c'est une vidéo en fait depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est pour ça. La réponse à la question. Bonjour. Est-ce que la happy hour rend-elle heureuse? Oui. La happy hour rend heureuse seulement parce que moi, j'aime... Non, 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 non. J'espère que tu t'es abonné, hein. J'espère que tu t'es... Attends. Tu t'es abonné ou pas? Attention. Je te trouve, je te frappe, hein.